Parashat Vayera, Abraham reçoit des invités avec largesse, malgré que dans la ville de Sodome, c'est le contraire. Celui qui accomplit là-bas cette mitzvah est menacé de mort. Ainsi, Dieu décide de détruire Sodome et Abraham supplie Dieu de changer d'avis. Pourquoi la Torah juxtapose ces deux événements? Rav Kamenetsky répond qu'on voit ici le niveau incroyable d'Abraham dans ses relations aux autres. En effet, lorsqu'on excelle dans un domaine, on devient très exigeant envers l'autre dans ce même domaine. Exemple, celui qui a l'habitude de manger le quatrième repas de Shabbat aura tendance à mal considérer ceux qui ne font pas cette mitzvah. L'homme qui est ponctuel à la prière regarde d'un mauvais œil les retardataires. Mais Abraham n'est pas tombé dans ce piège et malgré sa bonté énorme envers les invités à sa table, il ne juge pas en mal les habitants de Sodome et tente même de les protéger. Un conseil, pour ne pas mal juger l'autre dans les domaines où on réussit, s'imaginer que l'autre a des points forts aussi dans d'autres domaines. La leçon de la semaine, comme Abraham Avinu, n'imposons pas aux autres nos propres exigences. Shabbat Shalom.